Salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures d'Elena sur Dragon Age Inquisition, la suite de la quête principale en tant que brûlera. Alors nous avons orienté le trébuchet à un peu plus de la moitié, donc on va continuer. Hein. Alors on s'était quitté ici après un combat épique, hein, donc notamment il y avait un bourreau qui était hyper résistant à voir, hein, donc un peu chiant. Alors les aventures d'Elena, les amis, la suite, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti. Alors je sais pas si on doit prendre le cash maintenant là. Allez, on va prendre le cash quand même. Toi tu vas te régénérer, toi tu vas boire un coup, nous on va se régénérer. Et puis toi tu vas te régénérer. Voilà. On va prendre le cash. Bon, pire, on en a deux autres qui nous attendent par là-bas. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'on a fini. Je crois que c'était la dernière vague, mais je suis pas sûr. On va voir. Nous allons voir si c'était la dernière vague. Pouvons-nous orienter le trébuchet jusqu'à la fin? Ouais, ça a l'air d'être la dernière vague. C'est parti, orientation du trébuchet, les amis! Oh, l'attention. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Avec des forces qui dépassent votre entendement, ça a assez duré. Ok, alors je me suis tué parce que la musique était épique, hein, je l'adore cette musique. Alors, vous me faites pas peur, arrêtez et discutez. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous faites ça? Les mortels aspirent à une vérité qui les dépasse. Elle va bien au-delà de ce que vous êtes, de ce que j'étais. Apprenez à me connaître, à connaître ce que vous faites semblant d'être. Louez l'ancien, Corypheus, l'incarnation même de la volonté. Et vous vous agenouillerez. Non mais tu rêves. Quoi, tu veux que je m'agenouille et puis quoi encore? Vous résisterez toujours. Ça n'a pas d'importance. Je suis là pour l'encre. Que le processus d'extraction commence. C'est votre faute, messagère. Vous avez interrompu un rituel prévu depuis des lustres et au lieu de mourir, vous l'avez détourné de son but. J'ignore comment vous avez survécu, mais cette marque que vous portez, que vous utilisez contre les failles, je l'ai créée pour attaquer les cieux. Et vous avez utilisé l'encre pour saboter mon travail, petit effronté. Quoi? À quoi sert cette encre? À quoi sert cette chose au juste?
Elle a pour but d'apporter des certitudes là où règne l'incertitude. Quant à vous, soyez certaine que je viendrai la récupérer tôt ou tard. J'ai déjà percé l'immatériel au nom de quelqu'un d'autre pour servir les anciens dieux de l'Empire en personne. Je n'ai trouvé que le chaos et la corruption, des murmures éteints. J'ai passé un millier d'années dans la confusion totale. C'est terminé. J'ai trouvé la volonté d'y retourner en mon propre nom, de défendre un empire Tevintide affaibli et de redresser ce monde vicié. Priez pour ma réussite, car j'ai vu le trône des dieux, et il est vide. Ça fait mal. L'encre est inaltérable, permanente. Vous l'avez ruinée. Ainsi soit-il. Je recommencerai à zéro. Je trouverai un autre moyen de donner à ce monde la nation et le dieu qu'il demande. Le signal ! Le signal ! Quant à vous, je ne saurais tolérer une quelconque rivale, aussi ignorante soit-elle. Vous devez mourir. Ce n'est pas fini, mec. Vous croyez que nous allons nous rendre et nous agenouiller? Vous rêvez. Nous vous vaincrons. Vous verrez. Et ben voilà, c'est bon, on a réussi à s'échapper, c'est ça, hein? Alors. Ouais, on a réussi à s'échapper, on a sauté dans un trou. Où est-ce qu'on a atterri? Ok. Ok, on est dans une espèce de grotte, c'est ça, hein? Ok, ok. Ah, c'est pas trop où est-ce qu'on est, hein. Trouver un moyen d'avancer, voilà. Donc, on va essayer d'avancer. Il faut aller là. Ok, allons-y. Alors, y a pas des trucs par là. Oh non, j'aime pas quand il faut marcher. Parce que c'est lent. C'est lent. Regardez comment c'est lent. Bon, on va avancer, apparemment, y a rien. Allez, c'est par là. Ah, c'est par là. On a récupéré nos popos. Ah bah oui. Bah oui, on avait pris le cash. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Elle avance toute seule. Ok. Ah, c'est bon, j'ai récupéré le contrôle. Alors. Alors attendez, on va faire un truc, c'est que ça, on va le mettre là. Vous allez voir pourquoi. Voilà. On va le mettre là. Là. Là, il y a quelque chose là-bas. Voilà, oh là, il y a du monde. Voilà, on va passer en fufu. Alors, marque de la faille, voyez, vous avez acquis la capacité marque de la faille basée sur la concentration. La capacité marque de la faille inflige des dégâts considérables et peut même tuer instantanément certains ennemis. Le problème, c'est que je suis bien atteint, là. Hein? Alors, la concentration est une ressource qui s'accumule à chaque fois que vous ou l'un de vos compagnons infligez des dégâts, voilà. Alors, chaque compagnon a sa propre jauge de concentration, ok. Mais tous en obtiennent lorsque l'un d'entre eux inflige des dégâts. Ah d'accord, alors c'est pour tout le monde. Si par exemple Varric fait des dégâts, ben nous on augmente notre concentration. Et puis si nous on fait des dégâts, et ben Varric augmente sa concentration. Alors voilà, alors ça c'est pas cool. Alors voyez, ils nous l'ont mis là. C'est pour ça que j'ai déplacé ma capacité. Hein? Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Faut cliquer dessus, voilà.
Voilà, faut l'utiliser, de toute façon on peut rien faire d'autre, et puis voilà, c'est bon. Il est pas mort lui. J'aime pas ça. Est-ce qu'il est mort? Non, il est pas mort. Hein. Ah, c'est un élite. Oh bah il y en a deux élites là. Ah, il doit se boire une popo parce que bon. Tac, voilà. Alors normalement ils devraient tous crever, mais comme on a mis appât feutré comme option, hein, et ben on se retrouve avec des élites. Voilà. Alors tac. Alors on est tout seul, va falloir lui faire mal. Ah, wow. Ouais. Bah ça va être chaud. Non mais il tire pas dessus. Ah mais bon. Et bah c'est bien. C'est bien ça. Je crois qu'on a un problème. Hein, on va avoir un problème là si on n'arrive pas à passer ça. Bon alors la marque de la faille, voilà la marque de la faille. Alors, donc du coup, faut utiliser ça. Hein, la marque de la faille. Alors, ils sont là. Ah oui, mais si on a des élites là, on est mal. Ah bah voilà, on a des élites encore. On a encore des élites. Alors, je vois pas comment je vais pouvoir faire pour les. Voyez comment ils font mal. Ah la vache, la vache, la vache. Ah la vache, et comment on va faire? Allez, et je m'en vais. Allez, au revoir. Au revoir. Arrêtez, vous êtes où les mecs? Ils sont toujours là. Je vais essayer de lui faire mal de là, ouais. Allez. Allez. Faut faire le fifou. Voilà. T'as eu, t'es mort. Il en reste un autre, normalement. Non? T'es bon? Ah, on l'a eu. On l'a eu. Voilà, en principe, hein, vous devez les... One shot avec la marque de la faille. Mais étant donné qu'on a activé l'option d'épreuve qui est ici à pas feutrer, voilà, les ennemis de l'Inquisition possèdent de nouveaux traits capacités en combat, et ben vous avez des élites qui apparaissent. Et voilà pourquoi ils meurent pas tous instantanément. Par contre, t'es gentil, mais hein, tu vas m'enlever ça, là, voilà. On va se remettre ça comme c'était. Tac, et puis on va le mettre là. Voilà, marque de la faille. Non, on va le mettre là, la concentration. Tout ce qui est concentration, ce sera ici. Donc, restons comme c'était. Allez, on y va, on va continuer. Trouver un moyen d'avancer. Et ben, on avance. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Ok. Allez, on va continuer à avancer. Alors là, peu importe dans quelle direction vous allez, il faut aller tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Vous pouvez rien faire d'autre, c'est pas la peine de chercher à explorer. C'est scripté. Allez, tout droit, tout droit. Allez, on y go. Voilà, hein? Voilà, là c'est une cutscene. On peut rien faire, regardez. Voyez? Hop, allez. J'ai repris le contrôle, c'est reparti. Allons-y. Il faut aller vers le petit camp, là, voilà, examiner le camp. Examiner! Il est froid.
Ouais, il est froid. Allez, continue. Hop, on y va. Allez, on continue à aller tout droit. Voilà, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire, on peut rien faire d'autre, il n'y a rien. On peut pas explorer, de toute façon, il n'y a rien. Allez, on y va, on avance, jusqu'à la prochaine cutscene. Dans cet épais brouillard, voilà la cutscene. Il fait froid. Ah, il fait froid, il fait froid. Eh oui. Oh, c'est les belles. Allez! Il y a encore un truc à examiner. Allons-y, examinons ça! Ah! Oui, c'est récent, ça. Alors, ça, c'est bon signe quand c'est récent. Hein. Ah, ça veut dire qu'il y a du monde qui est passé par là! Allez, on y va! Go! 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 Allez. Alors, il y aura une cinématique, à mon avis, elle va être assez longue. Alors, on va continuer, Et puis, mon avis, si ça fait trop long en vidéo, je couperai. Ouais, je couperai. Là-bas, c'est elle! Ouais, c'est de Que tu moi! sois le créateur! Ah, bah voilà! Ok. Et ben voilà, nous y voilà, nous sommes dans un camp. Trouver une solution. Et depuis quand est-ce vous qui décidez? Avant toute chose, c'est d'un consensus que nous avons besoin. Je vous en prie, soyons raisonnables. Sans l'infrastructure de l'Inquisition, nous n'arriverons à Ça ne rien. tombera pas du ciel. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrêtez! Ça ne mène à rien! Nous sommes au moins d'accord sur une chose. Chut! Vous avez besoin de repos. Ça fait des heures que ça dure. Ils ont ce luxe grâce à vous. L'ennemi n'a pas réussi à suivre, et dans le doute, on a tendance à vouloir chercher des responsables. Les luttes intestines sont peut-être aussi dangereuses que ce Corypheus. Ouais, ça c'est clair. Alors, où est-ce qu'il est parti maintenant? Nous savons où sont Corypheus et ses troupes. Nous ne savons même pas où nous sommes. Ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a aucune trace de lui, malgré l'armée qu'il commande. Ou bien il vous croit morte. Ou sans défense, maintenant que Darth est tombé. Ou alors, il prépare sa prochaine attaque. Je ne peux pas prétendre connaître les pensées de cette créature, seulement ses effets sur nous. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça m'embête un peu de couper là en pleine conversation, hein, mais on va pas avoir le choix. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Hein, on se retrouve très vite pour la suite. Sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao!